Eh bien, bonjour à tous. On va faire un petit check de l'audio, mais je pense que tout est bon. Salut Miflower. Hop, ça a l'air de bien fonctionner. Alors, aujourd'hui, dans ce beau début de semaine magnifique. Ouais, sympa la musique, bah, c'est un mix de choses existantes. Des choses issues un peu de mon groupe, c'est mon guitariste, ou je suis son bassiste, c'est comme on veut, dans le même groupe, qui fait actuellement une carrière bien différente de ses débuts, où il faisait beaucoup de choses autour du son, que ça soit sur des prestations de concert ou autre. Donc voilà, je pense que je mettrai même, quand on aura nos premiers mix, là, je crois qu'on a les premiers qui doivent être écoutables, je mettrai ça en intro. Parce que là, il y a quand même quelques samples, bon, on verra, hein. La machine à reconnaissance en live a pas l'air d'être trop sensible, je me suis pas fait striker, mais il faudrait peut-être pas trop chercher. Et c'est quand même des samples existants par ailleurs. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler, en l'ayant sous les yeux en même temps, ce sera mieux pour moi, pour ce que j'ai à vous dire. Suite aux explications... je pense plusieurs émissions, mais il se trouve que Patrice, coucou, ça y est, là, ce coup-ci, c'est officiel, t'es balancé en live et tout. Suite aux différents petits lives ou vidéos, et surtout, je sais pas, il est revenu sur Twitter alors qu'il était parti un certain temps. Il se trouve que son métier n'a rien à voir, mais il se présentera, si j'arrive à le décider, à venir faire une émission, soit enregistrée, soit un live, ce qui sera encore mieux. Il se trouve qu'une de ses passions, c'est le modélisme. Plus précisément, le modélisme ferroviaire. Et dans tous les dioramas qu'il fait, je dis diorama, ça se trouve c'est pas le bon vocabulaire, hein. J'aurais aussi des choses à apprendre. Donc, dans ce cadre de ses différentes réalisations, il a besoin parfois de choses qui sont ni plus ni moins que des petits montages électroniques. Ça se vend. Je vais vous partager ça si je retrouve le détail. On va peut-être commencer même par ça. Donc, je vais vous décrire si rapidement on a échangé un petit peu et donc il aimerait apprendre. Et moi je lui ai dit que ce qui serait pas mal, c'est que si on peut, s'il est d'accord, on se fasse soit des lives, soit des petites vidéos que je monte après. Ou salut à Canoa. Ou en fait, j'essaie de lui expliquer un petit peu ce que moi j'ai appris. Hein, ça vaut ce que ça vaut. Lui faire parvenir, soit il s'achètera ce qu'il faut pour apprendre à coder un petit peu des petits montages électroniques et dans les choses qu'il voudrait faire. Alors je vous cite par exemple, il sait pas trop par quoi ça passerait, mais ce serait commander peut-être un servomoteur ou un moteur pas à pas, parce qu'il a vu quelqu'un qui l'avait fait, pour piloter une petite plaque tournante où sa locomotive peut venir, on peut la réorienter, enfin comme une plaque tournante ferroviaire classique, piloter éventuellement des barrières de passage à niveau, peut-être faire une mécanique de chargement, vous savez, de charbon de bois avec les silos, donc animer un peu des portions d'un diorama. Il aimerait aussi savoir si on peut avoir un mini lecteur MP3 avec un petit HP pour jouer des petites séquences sonores. Alors, il m'a pas précisé quoi, mais j'imagine tout un tas de bruits d'ambiance, de train ou de ce qu'il y a autour. Et puis il y aurait aussi une partie sur avoir des séquences d'éclairage de LED sur différentes parties du réseau, donc là c'est large, hein. Ça peut être aussi bien de la signalisation que si là, je sais pas, des portions de petits villages, de villes ou de zones industrielles suivant ce qu'il fait, où on pourrait effectivement avoir des zones qui s'éclairent successivement, varier l'intensité. Voilà, donc il m'a dit qu'il détaillerait tout ça, et il aimerait pouvoir relier tout ça à son logiciel de gestion de circulation de train. Alors ça, pour moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'espère qu'il y aura quelque chose d'un peu ouvert. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que il existe des modules. Donc je vais commencer par ça. Je vais retrouver son email parce que ça fait partie des choses aussi qui m'ont décidé. Alors déjà, je voulais bien l'aider avec grand plaisir. Alors je vais récupérer l'adresse de son lien. Aujourd'hui on est lundi, hein. J'ai pas trop préparé à l'avance, faut pas exagérer. Hop, je vais vous partager tout de suite
mon Firefox. Hop, si je le retrouve, parce que là je l'ai pourri évidemment. Ça doit être celui-là. Voilà. Donc ça c'était ce qu'on faisait l'autre fois. Donc voilà, il existe des plateformes. Salut Ibox. Salut Charles. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je suis en train d'expliquer que Patrice, qui est venu plusieurs fois en spectateur sur les lives, qui se trouve être un ami que je connais déjà depuis un moment, et qui est revenu, bon voilà, il est revenu sur Twitter, on a rééchangé un peu, et en voyant mes émissions, il a envie de d'agrémenter ses dioramas et ses messages. Non, c'est pas un client à Canoa, non, c'est vraiment un copain. Donc on va faire ça à la cool. Il aimerait avoir des petits montages électroniques, ce que je disais, des éclairages, des détections de passages de train, des passages à niveau, des plaques tournantes, enfin un tas de trucs. Et je me propose de lui présenter ce que moi je sais, et puis j'espère qu'on pourra faire des vidéos ensemble pour vous présenter un peu tout ça. Voilà, il m'a envoyé un exemple. Ce que vous voyez là, c'est quelque chose qui se vend. Pas grand chose dessus, sans déconner, je veux bien qu'ils fassent leur vie, mais enfin, 159$, voire 200 de prix d'origine. Là, c'est montage Arduino. Pour Charles, la réponse est, je pense pas que je vais l'orienter sur de l'Arduino tout de suite. S'il passe, ou même s'il passe pas, je ferai un premier montage pour lui montrer comme c'est simple de piloter un servomoteur, même avec une carte, soi-disant pour les plus jeunes, la carte Microbit. Et je pense que pour lui faire découvrir un petit peu les montages de base, et l'électronique, ça sera plus facile, alors avec un peu de MakeCode pour la programmation, et je lui apprendrai, je pense, rapidement, vu que c'est quelqu'un d'intelligent, n'est-ce pas Patrice, on fera un peu de Python, sûrement, et sur des plateformes un petit peu de chez Adafruit, donc je vais essayer, j'ai ce qu'il faut à la maison, je vais essayer de lui faire un petit colis, ou lui faire commander ce qu'il faut en fonction de ce qui manquera, pour qu'il puisse faire les premiers projets qu'on va faire ensemble. Mais là, c'était pour vous montrer effectivement ce qui est vendu là, c'est un kit où c'est avec de l'Arduino. Et franchement, à part des néopixels, une breadboard, des potentiomètres et des LED, et des boutons, certes, très bien, c'est pour prototyper ce que vous allez mettre en place, en fait. Ou SP32 en micro-Python, t'inquiète, Charles, on va trouver... le but, c'est qu'il apprenne déjà les bases, que ce soit à l'arrivée, s'il est à l'aise, si c'est de l'Arduino et que si c'est du C, on fera de l'Arduino et du C, j'ai pas de problème. Je pense qu'on fera déjà un petit peu du MakeCode pour l'aspect, un petit peu voir... comment il se sent à l'aise déjà avec toute la logique, ne serait-ce qu'en visuel avec un langage par bloc. Et puis derrière, on verra, je dis micro-Python ou Python, parce que sur les cartes Adafruit, c'est quand même super simple, ou les ESP32. Et puis s'il faut aller jusqu'à l'Arduino et au C, on fera ça aussi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est sûrement des montages super intéressants, mais vous voyez, c'est quand même une énorme plaque avec tous les trucs dessus, et après, il faut refaire ses montages et tout. Donc on va en digne... amateur d'open source et d'open hardware, on va, voilà, le kit, il y a rien dedans, quoi. Donc quand il parle de servomoteur et qu'il y a dans ce kit, c'était pour lui montrer, là, je vais essayer de vous faire une top cam si ça se pète pas la gueule, parce que j'ai trop chamboulé mon bureau et ma top cam, elle tient plus trop en équilibre, là. On va voir ce que ça donne. Donc je pense que tout ça, Patrice, ne t'inquiète pas, je sais que entre midi et deux, c'est pas forcément ton créneau horaire, donc on verra quand est-ce qu'on peut faire ça. Je vais te montrer un petit montage, et surtout, j'ai trouvé une autre façon d'apprendre les choses. L'autre fois, je vous ai montré avec FritzSim qu'on pouvait préparer et expliquer avec un schéma assez visuel qu'on fait dans FritzSim. Et en fait, pour les premiers pas, on peut aussi utiliser Tinkercad. On fait avec les outils qui sont appropriés, pour ceux qui se demanderaient pourquoi je monte Tinkercad qui est pas du tout open source et qui est chez Autodesk. Et ils ont un truc super sympa maintenant qui permet... je sais plus si je l'ai testé. Et voilà, je vais me connecter. Hop. Elle m'a pas gardé parce que je suis pas en mode circuit. Voilà, donc c'est celui-ci, on va le refaire de toute façon ensemble. Est-ce que je peux l'enlever comme ça, on va le refaire. Hop. Voilà.
Donc celui-ci doit être vide, mais peu importe, parce que j'ai essayé de voir. Il n'y a pas tout hein, dans Tinkercad, hein, mais pour les premières explications, je pense que c'est intéressant. Alors, on va créer un circuit. Donc il n'y a rien au départ. Donc ils ont rajouté la carte Microbit, sinon c'est des montages avec Arduino Uno, donc c'est ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas d'autres cartes éventuellement, mais comme il y a un simulateur, j'imagine qu'ils ne peuvent pas tout faire d'un coup. Je vous montrerai peut-être la prochaine fois aussi avec VitaScience. Oui, il y a plein de montages de démo Bbox. C'est pour ça que je veux montrer à Patrice Tinkercad, parce qu'en explorant par lui-même, même s'il fait rien de A à Z, il va avoir plein d'idées. Donc je voulais lui montrer. Donc on dépose, j'ai fait un drag and drop de la carte Microbit. On peut changer la couleur, mais il se trouve que j'en ai une rouge en vrai. Je vais essayer de vous montrer après le montage. Ensuite, je voulais lui montrer comment piloter un servo moteur. Alors, je le montrerai après. Donc c'est vraiment, là en l'occurrence, j'en avais des bleus, mais là c'en est un noir. C'est les tout petits 9G bien connus. Et donc, quand on est là-dedans, c'est vraiment tout prévu pour. C'est même plus explicite. J'ai peut-être raté mon montage tout à l'heure parce que je sais pas s'il est câblé pareil. Là, on a les indications. Donc, on sait qu'on a la masse ici, la terre, on a l'alimentation et le signal qui est ici. Donc, on a tout ce qu'il faut et on va pouvoir réellement câbler. C'est-à-dire que là, j'ai la terre. Et ben, donc là, je peux même. Je crois qu'il y a un système. Voilà, je peux même faire un truc un peu. Voilà, on peut même aligner si on veut. On peut changer la couleur, hein, on va garder. Normalement j'ai tout ce qu'il faut en câble après. Ah oui, je vous ai pas montré, mais on peut aussi. Non, c'est pas du tout ça, je me suis trompé de bouton, pardon. Voilà, il n'est pas sélectionné. Voilà. Voilà, on peut aussi pivoter les choses si on a besoin. Donc là j'ai mis la masse. Après, on va aller mettre. Je vais jamais assez loin, vous voyez, pour être. C'est jamais droit comme ça dans le montage, c'est pour ça que j'ai pas l'habitude. Voilà, l'alimentation. Et enfin, le signal qu'on va mettre sur la broche P0, tout bêtement. Hop. Donc voilà, donc je vais le faire après en vrai, tu vois, Patrice. Une carte Microbit, là, toute simple, toute mignonne. Trois fils, ou alors en l'occurrence là, ce que je vais faire moi, je le branche dans mon petit. J'ai perdu le nom, mais c'est pas grave, qui expose les différentes broches et on peut se brancher directement. Et donc là, j'ai toujours pas besoin d'avoir des cartes physiques chez moi. On peut passer dans le mode simulation. Donc là, il montre comment on peut réagir la simulation et surtout, on peut cliquer sur code. Je vais repartager l'écran un peu différemment. Peut-être pas trop qu'on voit tout. Voilà. Donc là à gauche on voit bien mon montage qui s'est mis en mode, je l'ai mis en mode simulation. Et ici on va pouvoir coder un peu avec. Et donc un truc tout simple, ça peut être après bien sûr le servomoteur, ça peut être un autre capteur qui va détecter l'arrivée d'un train à une certaine distance et on va déclencher la fermeture ou l'ouverture en fonction du passage à niveau. Mais on peut aller par exemple dans les entrées ici, et puis là on va simuler avec l'appui sur un bouton. Donc je dis que si j'appuie sur le bouton A, je vais pivoter à 90 degrés le servomoteur, et je prends un autre bloc et je vais le mettre sur le bouton B, je remettrai à 0 avec le bouton B par exemple. Si je re... Alors je crois que c'est là-dedans, peut-être je sais plus, j'ai un doute, non c'est en sortie, je suis bête. Donc là c'est un environnement de programmation visuelle où il y a déjà. C'est code blocks qui est derrière, c'est pas mes codes, mais on pourrait imaginer d'aller dans le module maker de mes codes. On peut faire pas mal de simulations aussi, on pourra le tester aussi. Et le temps que je retrouve, alors comme c'est en français, on voit pas tout ce qui est plus de texte, je peux pas basculer là. Ah, les blocs sont un peu larges. Je vais mettre mes lunettes, je vais arrêter de tricher. Va au téléphone, va. T'inquiète, Bbox, on continuera. Et je ne trouve. Voilà. Écrire sur la broche de cerveau, voilà ce que je cherchais. On va le dupliquer. Hop, je vais le mettre là. Et c'est pas du tout ce que je cherchais. Il y a un bloc plus simple. Là, c'est les impulsions qu'on peut mettre pour piloter, mais
Chez Miro ce matin, voilà. On peut faire pivoter directement. Directement en indiquant des degrés. Voilà. Donc là, j'ai dit 90 degrés, l'autre à 0. Donc là, on est dans le mode simulation. J'appuie sur le bouton A. Il se passe rien parce qu'il doit considérer que le 90, c'est celui-là, c'est ça? Pas du tout. Ah, il faut que je redémarre la simulation, pardon. J'avais pas fait attention qu'elle s'était arrêtée. Donc là, je suis en simulation. J'appuie sur le bouton A, on passe à 90 degrés. Et j'appuie sur le bouton B, on revient à 0. Je pense que je peux exporter vers une microbit, mais il va peut-être falloir que je la branche au préalable. Alors, deux petites secondes que je retrouve mon petit câble, parce que j'ai pas mal brassé. Le bureau est toujours pas nickel, mais j'ai quand même pas mal brassé. Où es-tu, petit câble? C'est quand j'ai besoin de toi que je ne te trouve pas. Voilà. J'ai ma prise USB. Il me manque ce satané câble. Voilà. Je vais passer en top cam pour vous montrer. Là, mais c'était juste pour vous dire. Je vais passer en top cam pour vous montrer le matériel. Et ici, j'irai. Ah non, ça c'est pour exporter. Et dans la partie code, c'est là alors. Code de téléchargement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Ah, il envoie du JS. On va le faire différemment. Alors, on va passer en top cam. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous m'entendez encore assez. Ouais, je pense que j'ai une grosse voix de toute façon. On va faire avec. Alors, je vais raccorder. Ici. Hop. Je vais la brancher. Donc là j'ai l'équivalent de notre montage là pour la masse. Ici j'ai l'alimentation et ici la broche 1. Donc voilà les petits servomoteurs. Donc pour info, je sais pas combien ils le vendent précisément cette pièce là dans le kit, mais c'est on peut compter ça en centimes. Allez, si on le rachète en Europe, on arrive à le trouver à 1 euro au plus cher. J'en ai des pleins tiroirs évidemment, c'est toujours sympa à utiliser. Et après, ils mettaient en avant le fait qu'il y ait plein de horns, plein de broches, d'objets à se fixer dessus. C'est livré avec, hein, pour le même prix. Donc, dans le kit, je pense qu'il y a un peu une part de ils sont un peu gonflés. Alors, nous reculons devant aucune cascade, nous allons faire ça en direct. Hop. Je ne sais pas s'il est calibré ou pas, peu importe. Hop. Voilà. Sauf que j'ai pas sorti la vis, c'est ça. Je vais pas se clipser un peu. Voilà, ça a été. Allez, allez. Voilà. Donc je l'ai clipsé. Et là, je ne sais plus. Parce que c'est pas indiqué dessus. Les couleurs, si je me gourre, je grille tout. Sinon l'alimentation, elle est au milieu. Et je crois que la masse, c'est le marron sur ces modèles. Comme ça, si je me gourre, ça permettra de montrer à Patrice que c'est pas grave de se gourer. Donc, j'ai mon petit servomoteur que j'ai relié, comme dans notre schéma, la masse, l'alimentation et le signal 0 de la broche. Je suis pas sûr qu'on puisse exporter directement. Le jaune, c'est le signal. Merci d'avoir vérifié. Mais tu vois, c'est ce que j'avais branché à l'instant. Il me semblait que le marron, c'était la masse. Alors, est-ce que c'est quand même dommage qu'on puisse pas... Parce que là, il me propose d'exporter un fichier JavaScript qui sont très mignons, mais je peux rien en faire dans une carte microbit. Bon, j'étudierai ça. On va tricher... On va passer par... Alors, je vais vous le remontrer. Du coup, on va le refaire avec mes codes. C'est pas grave. Comme ça, vous avez vu le schéma. Hop. On va faire ça comme ça. Et puis, comme ça, je pourrais même le partager à l'arrivée. Autant utiliser l'outil qui existe de base. On aurait pu utiliser VitaScience aussi. Il faut que je fasse une émission avec VitaScience. Oui, merci Mifleur de confirmer. On va utiliser les inputs. Alors on y va. Les deux boutons.
L'environnement Unicode est quand même plus fait pour, je trouve. Je crois pas qu'il y ait les servos moteurs par défaut. Je dis peut-être une bêtise. Voilà. Il y a la micro-librairie rajoutée en extension. Hein. Hop. Une fois qu'elle est rajoutée, je l'ai sous les yeux, je la vois pas, elle est là. On peut positionner, alors il y a bien plus de possibilités, mais on va utiliser celle-là. Et on avait dit le second, on le met à 0. Donc voilà, c'est un autre environnement où on a, bah, c'est intégré, je dis des bêtises, vous voyez, avant c'était que dans la partie Maker, Makecode qu'on avait les petits montages, mais pour les librairies, les extensions de Makecode qui sont complètes, sur la partie gauche, vous avez dans le simulateur la même chose, bah, c'est parfait. Ah, ça a permis de montrer, mais les branchements on les voit à nouveau avec la fameuse masse, alors je sais pas pourquoi ils l'ont mis bleu. L'alimentation ici en rouge, et sur la broche P0, le signal. Donc on appuie sur A, on va à 90, on appuie sur B, on revient à 0. Donc ça, vu que vous m'avez vu brancher la microbit, on va sauvegarder tout ça. Elle est branchée, mais elle n'apparaît pas, c'est quoi la rigolade? Oh, dites voir. Qu'est-ce que j'ai débranché? Donc là, visiblement, j'ai débranché ma rallonge qui passe sous le bureau. C'est parti pour une expédition. Voilà. Hop. Tac, tac, tac. Je vais la rebrancher comme il faut là-dessous. Ouais, ça a pas l'air d'être folichon, folichon. J'ai dû prendre un câble au milieu qui était pourri. On va changer. J'en ai un autre par là. Je t'ai vu, ne te cache pas. Les câbles ont la fâcheuse tendance, bien entendu, à toujours se cacher quand on a besoin d'eux. Ils sont timides. Ça et les vis de petit diamètre. Ce sont les deux choses les plus timides de l'univers de l'électronique. Et comme j'ai trop rangé, ben j'ai pas de câbles qui traînent de partout comme d'habitude. Alors d'habitude, ça traîne de partout. Si, j'en ai un autre ici. Je sais pas pourquoi il ne veut pas me la détecter. J'espère que c'est pas ma rallonge qui est claquée, parce que c'est bien pratique cette rallonge qui me permet d'avoir les deux parties de mon bureau. Voilà, ça marche. Hop, voilà. Alors, je sais pas s'il a eu le temps de finalement se connecter, mais en tout cas, elle est alimentée. Ah, il l'a pas vu. Ah, c'est aujourd'hui que ma rallonge a décidé de faire des siennes. C'est quoi l'histoire là? Alors j'ai un câble qui a pas la data. Ouais, la spéléo, ouais. Comme tu dis, Charles. La spéléo, elle va pas me casser les histoires longtemps. On va profiter. J'avais un kit d'avance. Allez, hop, un joli petit câble. Tout rouge, tout mignon. Câble officiel Microbit. Je vais quand même vérifier que ce soit pas ma rallonge dans l'histoire qui est, je ne sais pas, souffert de mes aménagements du week-end. Eh ben, c'est laborieux aujourd'hui, hein. C'est un lundi, c'est normal. Une mise à jour de macOS ait décidé de me supprimer mes cartes microbits, ce qui serait sympathique de sa part, à ma foi. Là, voilà. Vous avez vu au passage, en exclusivité, le répertoire des musiques de mon groupe. Où je vais les piocher tout à l'heure, la petite intro. Tu as arrêté la phase avec Tinkercad. Alors, voilà, ça fait du JS et j'ai laissé tomber, je suis allé sur Makecode. J'irai creuser pourquoi il propose du JS, c'est assez étonnant pour la carte microbit. On peut utiliser le JS en étant dans Makecode et en basculant dans le mode JavaScript, mais si on peut pas flasher directement, je vois pas l'intérêt. Surtout que pour les servos moteurs, c'est ce que j'ai montré. L'extension qui est disponible de base, t'as juste à la rajouter par le menu extension là en bas, tout en bas dans la colonne où il y a les contrôles. Dans extension, tu vas chercher servo moteur, la librairie, elle te propose visuellement, tu as déjà un servo moteur qui apparaît quand on l'utilise.
Donc là, normalement, j'ai flashé. Est-ce qu'il a flashé? Oui. On parle, je sais même plus ce que j'ai fait là. Si, j'ai downloadé. Hein. J'ai bien downloadé, j'ai bien mis sur la carte, mais j'ai pas l'impression qu'il est flashé. Alors je regarde que en même temps. Oui, je vois le petit signal qui flash. On va repasser en top cam. Voilà, il a fini. Tout est branché. Tac tac tac. Et ça ne marche pas. Superbe. Superbe, superbe. Je suis bien sur la broche 0. Ouais, je suis bien sur mon alimentation. On peut dégager la masse à cet endroit éventuellement. Et ben, ça ne marche pas. Comme on dit dans le jargon, c'est tout con. Ouais, bien sûr, il peut voir les joies des makers. Et j'ai bien mis mon signal sur le jaune. C'est comme il faut. Il est alimenté, hein, parce que là, à la main, je sens qu'il a une petite résistance. Donc, il est alimenté. Hein. Ça y est. Bah, il était juste coincé, ce couillon. Je sais pas ce qu'il a, ce modèle-là, mais il a un truc qu'il aime pas. Puis, ouais. Je pense qu'il y a un problème au niveau de l'alimentation qui arrive par l'USB, qui est un petit peu juste. Il y a un truc qui lui a pas plu. Là, je sens qu'il patine pour faire tourner. Bon, je vais lui couper l'alimentation 2 secondes. Hop. Il y a un truc qui lui plaît pas. Je sais pas quoi, mais après, c'est des cerveaux qui sont pas toujours super super fiables non plus. Hein. Ah, il aime pas qu'on lui fasse ça, mais ça va mieux. Voilà, on est à 90. Il revient pas à 0. Je pense que c'est ce moteur qui est mort. Je dois en avoir un autre, hein. Toujours pareil, comme dirait Charles, un petit peu de... Oh, j'ai pas de souci avec l'effet Bonhomme. On va faire un peu de spéléologie. Hein. Il y en a d'autres qui sont cachés à l'intérieur. Pour tout vous dire, bah tiens, je vais vous montrer. Profiter, il y a longtemps que je les ai pas sortis. J'en suis à la spéléologie. Je sais pas si ça va rentrer dans la webcam. Là. Ouais, c'est pas terrible comme vue. Je vais vous le montrer en top view. Pop, pop, pop. Non, pas en top view, justement. Hop. J'ai peur que le servomoteur tourne avec du 5 volts et là, la microbit elle est en 3.3. Je pense que c'est ça. Ça me fera l'occasion de faire un montage d'alimentation grâce aux pièces que j'aurais commandées au Papa Noël. Donc je vais juste montrer à tous ceux que ça intéresse et à ceux que ça intéresse pas, ben tant pis, je vous montre quand même. C'était dans mes tout premiers essais. Je ne jette pas ce genre de choses pour me rappeler d'où je viens, comme dirait l'autre. Donc c'est un quadrupède avec chaque patte qui a 3 servomoteurs. Et la substance blanche, là, les plaques que vous voyez, c'est du carton plume, du carton d'architecte qui permet de couper très facilement et d'être très léger. Ça fonctionnait pas trop mal. Et puis après, j'ai cru qu'avec une imprimante 3D, j'allais pouvoir imprimer tout le temps, mais pour des problèmes de bruit et de cohabitation dans le bureau, c'est pas toujours possible. Donc toujours est-il que c'est ce genre de servomoteur que j'ai montré là dans le montage. Et on peut en faire des tas de trucs. Donc, tu vois, Patrice, les passages à niveau, c'est pas de souci. Voilà. Ah, on entendait bien le bruit, Miflower. Ouais, ouais, mais c'est, j'y ai pensé. Donc, pour info, pour ceux qui se posent la question, pourquoi on parle du bruit, les petits, alors, tous les servomoteurs, mais les petits servomoteurs comme ça, quand il y a un souci dans l'alimentation, que ce soit trop, pas assez, ou enfin, dès qu'il y a un souci, souvent, il y a un petit sifflement, en fait, dans le servomoteur. Et il peut aussi arriver qu'il y ait des phénomènes de jitter où il reste pas stable, il oscille légèrement. Et ça peut aussi être quand on a un problème de masse qui n'est pas... On n'a pas un plan de masse correct. Ou enfin, quand il y a un problème dans l'alimentation d'une manière générale, les servomoteurs, hein, ils ont tendance à faire des petits bruits comme ça. Et là, oui, je pense qu'effectivement, je suis sur un montage en 3 volts 3. La microbit, elle tourne en 3 volts 3.
L'USB lui amène du 5, elle a un régulateur en entrée, et elle gère tout le reste en 3.3. Donc ça peut pas faire tourner le servomoteur, mais c'est pas très grave, j'ai envie de dire. C'était vraiment histoire de vous montrer, et de montrer à Patrice, n'est-ce pas Patrice, je te parle, tu regarderas ce replay, que c'était vraiment des choses très très simples. Faut pas t'en faire une montagne, souvent... c'est vrai à plusieurs niveaux, c'est ce que j'ai pu observer avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Je dis les enfants parce que dans les ateliers Mixteen, on peut le constater. Faut pas croire qu'il y a que l'histoire du code. Franchement, le code, quand on en arrive là, c'est rien du tout. Je pense qu'on a, en tant que société, on a régressé de ce côté-là. On a des technologies de plus en plus avancées, de plus en plus présentes, et une population qui croit de plus en plus à la magie, en fait, de ce qui n'est que de la technologie, de la technique et de la science. Et c'est bien dommage parce que c'est pas compliqué. Quand Patrice voit les montages que je fais, il se dit « je pourrais les mettre dans mes dioramas et dans mes montages », il a raison. Juste, il a l'impression que c'est monumental, mais voilà, une carte microbit, c'est une carte qui est utilisée pour de l'éducation et de l'enseignement. Il y a d'autres types de cartes, mais pour montrer qu'avec une très simple comme ça, on peut déjà... Non, je ferai pas croire qu'on est de grands mages. On peut faire ça si on veut faire le mercenaire dans ce métier. Sachez que dans le monde informatique, on peut jouer à ça. Et c'est de toute façon... L'industrie se vend comme ça auprès de clients qui n'ont pas besoin de ce qu'on leur vend les trois quarts du temps, et ça permet aussi de se valoriser en tant qu'employé en courant après toutes les technos, alors qui sont souvent utiles, mais on veut les bourrer parce qu'elles sont neuves. En ce moment, je vois énormément de gens autour de moi qui font tête baissée dans tout ce qui est Kubernetes, qui est tout à fait approprié à plein de cas, et complètement pas approprié du tout à d'autres cas. Et la technologie, ça fait quand même l'informatique depuis, on va dire, on va échapper la période quand je faisais du basique sur un Spectrum, mais voilà. Il y a quand même 30 ans que je vois ce monde-là, et on passe son temps à inventer les trucs qui sont utiles à 2% des cas, et on le bourre partout pour dire je suis expert machin ou bidule, et je me vends donc plus cher, ce qui est le jeu dans notre société. Voilà. Je sais même pas si juste l'école peut inverser cette tendance. Ben, faudrait déjà que l'école, elle ait des moyens. Elle pourrait. Par exemple, la réforme qui a amené beaucoup plus de technologie et d'informatique, parce qu'il n'y a pas que l'informatique dans la dernière réforme qui a eu lieu au niveau des lycées et qui glisse peu à peu vers les collèges. Il y a l'intégralité. Quand j'ai vu le programme tel qu'il était amené, oui, mais tu consommes mieux. Je sais pas comment le prendre, tu consommes mieux, tu vois. Je pense que si t'es plus informé, tu consommeras mieux, mais pas pour les gens qui te vendent tout ça. Pour piloter 16 cerveaux... Oui, d'accord. Donc Charles nous met dans le chat un lien vers une carte qui permet de piloter 16 cerveaux moteurs par une petite carte. Le petit robot en carton que je vous ai montré, là. Dessus, j'avais une carte Arduino et une carte de ce type-là pour piloter les cerveaux moteurs. Tout à fait, on peut les amener à réfléchir, mais bien avant le bac. Et c'est pas un problème de... Faut pas croire non plus, parce que ça, j'y ai eu droit, voire de manière très véhémente. Bah tiens, je vais vous raconter l'anecdote. J'étais en marge de Mixteen, mais au nom de Mixteen, et j'étais allé à une journée des ingénieurs de France qui organise une thématique une fois par an, où il y a des rencontres partout en France. Et ils invitent des ingénieurs, et il y a un thème. Et cette année-là, le thème, c'était les reconversions pour les ingénieurs. Charles, une Nucléo, et tu en pilotes 50. Je l'ai retrouvé, au fait, ma Nucléo. Donc on pourra essayer ce genre de choses. Oui, donc cette journée des ingénieurs, la Société des ingénieurs de France, était consacrée à la reconversion des ingénieurs... qui arrivait en fin de carrière à proximité de la retraite et qui a besoin de se reconvertir. Et ils faisaient toute une thématique avec des conférences et des ateliers pour leur montrer le numérique sous différents angles, et avec une autre personne qui travaillait dans certaines écoles par le biais de l'ENS, oui c'est ça. On était allé pour présenter ce qu'on faisait, tout simplement. Hein, elle montrait ce qu'elle faisait dans les écoles, moi je montrais ce qu'on faisait avec Mixteen, et... ce qui était prévu, c'était ce qui s'est passé, c'était une petite démo en live où j'ai montré avec
c'était un notebook Jupyter, du Python, enfin peu importe. Parce que je savais qu'il y avait le côté Excel derrière tout ça, donc c'était le but, c'était de leur montrer ça. Et en fait, la pièce, il y avait une trentaine de personnes. On commence, c'est d'abord la personne qui était avec moi qui commence, elle explique ce qu'elle faisait dans une classe, et en moins de 3 minutes, il y a un type qui l'interpelle en lui disant « Mais enfin, pourquoi vous faites ça? Ils savent déjà pas lire, on va pas leur apprendre à coder. » Et là, on a eu beau lui expliquer que ça nous intéressait pas d'en faire des codeurs, c'était pas le but, mais qu'il nous semblait quand même que connaître le numérique et le code, c'est comme apprendre à lire, c'est pas parce qu'on sait lire qu'on devient écrivain. C'est pareil, avoir quelques petites bases de code, ça permet d'appréhender le monde qui nous entoure, et puis plus tard dans son boulot, je suis désolé, mais faire une macro sous Excel, il y a des compétences de code dedans. Donc ça peut toujours servir. Et le type était, quand je dis que c'est violent pour certains, le ton est monté, il voulait pas admettre ça, il nous traitait tous les noms, qu'on bourrait le crâne aux jeunes, aux enfants, et à la fin il dit, il se lève, j'ai cru qu'on allait se battre, mais vraiment, parce qu'il s'est avancé physiquement, c'était impressionnant. Donc je me lève pour me mettre à côté de ma collègue, pour pas la laisser toute seule dans la galère, et j'ai cru qu'on allait prendre un pain, et en fait il sort en claquant la porte, en disant « je ne participerai pas à cette mascarade qui consiste à bourrer le crâne des enfants ». Donc ça peut aller loin dans la tête des gens, le rapport à la technologie et la science, et je pense que si c'était plus apaisé, dès l'école, sans en faire des codeurs, mais leur montrer ce qui existe, leur montrer qu'un ordinateur, quand avec Mixtine on montre un Raspberry, qu'on leur fait assembler, ne serait-ce que brancher un clavier à un endroit, montrer que la carte vidéo qui montre l'image, c'est juste un petit composant ridicule, leur faire mettre un radiateur pour leur expliquer qu'il y a des processeurs qui chauffent et tout ça. Si on démystifie tout ça, je pense que ça ira dans le bon sens. Et que effectivement l'école pourrait apporter ça en partie, quand la réforme est arrivée dans le lycée, j'ai vu l'intégralité de ma carrière défiler sous mes yeux, et c'était pas possible de mettre ça dans un programme. T'inquiète pas, trop con, ça c'est bien fini. Le responsable de l'organisation de la conférence est venu s'excuser et tout, il était blanc, et la personne, pour finir l'histoire, y revenir une dernière fois, qui était si virulente et violente, en fait, elle vivait très mal une fin de carrière où elle était écartée de toutes les responsabilités qu'elle avait, pour de très mauvaises raisons. Simplement une entreprise qui reconnaissait pas son expérience pour la valeur qu'elle avait, parce qu'il avait une énorme expérience métier, et on lui collait dans les pattes des jeunes qui arrivaient avec... ils réautomatisaient une usine ou je ne sais quoi, et ils lui expliquaient rien du tout, et... il passait outre toute son expérience, et le mec était en train de se faire foutre à la porte d'une manière dégueulasse en fin de carrière, et donc c'est pour ça qu'il réagissait violemment. Il y avait une vraie raison, j'y étais pour rien, mais il y avait une vraie raison. Et tout le long des ateliers, il était allé aux ateliers réseaux sociaux en gueulant, il avait mis le bazar dans tous les ateliers, il le vivait très très mal. Voilà, fin de la petite anecdote, en exclusivité, qui ressortira peut-être à la conférence des speakers de Noël, où on aura une petite table ronde avec ce genre de sujet, je pense. C'est comme les Lego Mindstorm sans les Lego. Et en plus, il y a Lego Mindstorm aussi qui permet d'avoir de la programmation visuelle. Maintenant, je crois qu'ils ont toute une gamme qui s'appelle Spike aussi, qui est toujours relativement chère, malheureusement. Donc voilà, c'était tout ça pour revenir au fait que on a largement débordé, évidemment, mais c'est signe que ça... J'ai fait beaucoup de spéléologie, donc on n'a pas gagné de temps. Donc Patrice, regarde ce replay, sache que, voilà, ce petit montage que je vais remonter à la fois, donc là... rien du tout, il n'y a pas cher de composants, c'est tout simple. Après je te montrerai, il y a la phase quand tu as mis au point avec ce genre d'outil qui s'appelle une breadboard qui permet de faire des montages, on verra tout ça ensemble, t'inquiète pas. Tu fais des choses temporaires et quand tu as fini, je te montrerai comment souder des choses de ce type-là. Et on les codera avec, si je le retrouve, voilà... avec des environnements d'abord très simples comme ça, et puis tu me diras ce qui te plaît, JavaScript, Python, on essaiera plusieurs choses, ça n'a rien de compliqué, ça paraît affolant, mais c'est juste du jargon pour se cacher, alors qu'en fait c'est tout simple. Donc pour info, je pense que on essaiera de se faire des vidéos assez rapidement avec Patrice dès qu'on aura discuté des détails. Là, c'était pour lancer, et puis comme ça, je me laisse pas le choix, et je lui laisse plus le choix, on est obligé d'y aller maintenant.
Donc je vais le recontacter, on va commencer. Je pense que le temps qu'il récupère un peu du matériel et tout, on risque de finir l'année comme ça. Mais peut-être que je commencerai à faire des exposés de certaines cartes et de certains problèmes que je voudrais voir avec lui. Et on essaiera de faire soit les directs, mais entre midi et deux, il travaille, il est souvent de permanence, donc ça risque d'être compliqué. Soit on fera en soirée ou des petites vidéos qu'on vous montrera après. Voilà. Et dans 2 semaines, tu fais du Rust sur STM32. J'ai rien contre le STM32. Je suis moins fan du Rust, mais ça, je te l'ai déjà dit. Non, je pense que on va d'abord lui apprendre des choses plus simples. Faut pas qu'il fasse peur. Oui, je sais que vous relancerez le sujet, je compte sur vous. Et puis ben on verra où ça nous mène. J'espère que ça permettra de faire une jolie série pour pour que les gens se déstressent avec la technologie, que tout n'est pas possible pour tout le monde, bien sûr, chacun sa spécialité. Les choses que je fais au quotidien dans mon métier, je sais que c'est complexe, mais j'ai mis des années à y arriver. Par contre, il y a des choses très très simples à la portée de tout le monde, comme ce genre de montage. Et quand on a la passion du modélisme ferroviaire, par exemple, eh ben ça permettra de s'éclater assez simplement, je pense. Voilà, on va aller retourner au boulot pour les uns et pour les autres. Pour ceux qui sont peut-être déjà en vacances, ben tant mieux pour vous, c'est cool. Et puis ben on va se quitter tranquillou, et puis on essaiera de continuer peut-être mercredi, je sais pas, on verra. N'hésitez pas à mettre des commentaires quand j'aurai publié la vidéo sur YouTube si vous aussi vous avez des sujets que vous voulez aborder. Patrice sera mon cobaye et votre cobaye. On pourra essayer des choses sur des questions que vous avez éventuellement. Voilà, il y en a qui sont sur leur taf en même temps. Eh ben, bon courage à vous, bonne journée et à très bientôt, bon après-midi et attention, ça va couper.